Allez, cette semaine, on est à l'Apollo et c'est... Sandrine et Marsu qui nous filment. Du bruit pour eux, s'il vous plaît. Bon, vous avez vu, on fait plus de gosses. Hein. Ben ouais, là, le taux de natalité n'a jamais été aussi bas depuis 1946. C'est-à-dire qu'on était, on avait moins peur de faire des gosses sous les nazis que sous Macron. Macron, c'est le meilleur contraceptif du monde, ce mec. Chérie, il n'y a plus de capote. Oh, t'inquiète, il y a un discours de Macron. Ah, ouf, ça va. Non, et puis avec l'inflation, c'est chaud, hein. C'est chaud, quoi. Tu dis, mon amour, on fait un enfant? Viens, on fait un plein, déjà. Doucement, chaque chose en son temps. Moi, j'ai des gens autour de moi, ils n'ont pas les moyens d'avoir un enfant. Hein. C'est pour ça que je me dis, peut-être, oh, bon, peut-être, je sais pas, un peu saugrenu, mais peut-être la location. Tu vois? Non, c'est vrai, il y a des gens, ils veulent des gosses, ils peuvent pas en avoir. Et il y a des gens, ils ont des gosses et ils n'en peuvent plus. Donc, le bon coin, petite annonce. Loup bébé, 52 cm, très peu servi. Hein? À restituer à la fin de l'adolescence. Fais-toi plaisir. Tu vois? Ou alors courte période, tu vois, genre Airbnb, Babynb, tu vois, un truc. Tu vois, tu le prends sur un week-end. Et franchement, entre nous, un bébé sur deux jours, t'as fait le tour. Hein. C'est trois fonctions. Hein. Ouais, ça mange, ça crie et t'as compris. Voilà, c'est tout. Hein. Bah, bien sûr. Un bébé, c'est comme un Avatar 2. T'as hâte que ça sorte et t'es vite déçu après. Hein. Bon, après, je dis ça, remarque, là, j'ai vu, il y a un gosse sur Insta, il a plus d'un million d'abonnés. Je me suis dit, bon, ce gosse, un million d'abonnés, ça doit être un génie, quoi. Et en fait, ses parents, ils font de la télé-réalité. Donc, non, c'est pas... Non. Même si t'es nul en maths, tu sais que teubé plus teubé divisé par deux, c'est pas égal à un génie. C'est pas... Non. Un million d'abonnés. Mais ça m'étonne pas qu'il y ait autant de followers, parce que l'humain, c'est vrai que, par nature, c'est une espèce très fainéante, tu vois. On n'aime pas faire des efforts, tu vois. Tu fais Abdo ou Nutella? Nutella! Arte ou Hanouna? Hanouna! Et Nutella! Et c'est comme ça qu'est né l'homme politique, hein, d'ailleurs. À la genèse de l'homme politique, c'est ça. Hein. C'est bon, les gars, vous travaillez, vous gagnez de l'argent, cool. Vous me donnez la moitié. Et moi, je... Ok. Toi, tu... Quoi? T'inquiète. Vous, c'est les jambes, moi, c'est la tête. Hein? Bah, va finir sur un piqué si tu continues comme ça. Hein? C'est rien. Moi, je pense que le pays, pour tourner, il n'a pas besoin d'hommes politiques. Hein. Si on nous dit qu'il y a une pénurie d'hommes politiques, ouais, ouais, mais il reste de la moutarde, par contre, ou... Hein? Regarde, il y a 12 raffineurs qui ne bossent plus, c'est un cataclysme. Il y a 12 ministres qui ne bossent plus, c'est un mardi. Hein? Là, de toute façon, depuis un mois, ils bossent plus. Hein. Ils sont tous à la télé en train d'expliquer la réforme. Et c'est vrai que plus ils expliquent, plus on comprend que c'est de la merde. Ouais, la réforme, c'est un yaourt à la moutarde, le truc. Et ils sont là, non mais attends, tu prends la moutarde, tu prends le yaourt, tu prends la moutarde, tu prends une cuillère, tu mets la moutarde dans le yaourt. Ouais, t'as beau expliquer, ça reste dégueulasse, hein, ton truc. Hein. Là, Elisabeth Borne, elle a dit non, 64 ans, c'est non négociable. Ouais, elle est plus en démocratie, tata, elle est sur le bon coin, elle aussi. Hein. Ah ouais, vent, retraite, 64 ans, non négociable, jamais servi, pour cause de personne n'en veut. Merci l'Apollo, merci Sandrine, merci Marcy, du bruit pour moi, s'il vous plaît.